Hi Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Zelda Skyward Sword. Nous sommes toujours dans la raffinerie de la Nelle et nous allons tout simplement nous lancer à l'assaut de ce qui se cache derrière la porte, donc sûrement le boss. Alors, zut, je suis bourré de boutons. Alors, c'est toujours aussi compliqué à tourner ce truc. Pourquoi tu tournes pas dans le sens que je veux que tu tournes? Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Pas du tout. Pas du tout. Là, je l'ai. Ok, ça va, ça va pas être trop long pour insérer la clé. J'adore comment la clé est détruite une fois que la porte est ouverte. Comment tu fais pour refermer la porte après, vu que t'as détruit la clé? Arthropode millénaire, je sais plus comment il s'appelle. Honnêtement, excusez-moi, j'adore ce boss. C'est un boss que j'adore en fait, déjà par son design. Merde, merde, ah, merde! Oui, son design au mirror, c'est juste un scorpion, mais quand même, regardez les détails sur le scorpion, quoi, encore une fois. Ok. Merde! Aïe, putain, je vais mourir. Je suis même pas encore parti à la chasse aux cartes de cœur. Aïe! Vous allez m'emmerder, vous! Dégagez! Ben voilà. Et ben voilà. Ça, je crois que j'avais une fée au cas où, hein, mais bon. Quatre minutes pour tuer le boss. Pas mal, non? Je veux pas dire que c'est un record, mais... Enfin, pour moi, c'en est un, en tout cas. Je crois. Me faire aspirer! Heureusement que c'est du sol et pas de l'eau, mais pourquoi que techniquement le sol ça peut aussi nous aspirer?
Et voilà le passage. Alors, de mémoire, la cinématique n'est pas juste après la porte. Hey, donne-moi un cœur en plus. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Hein. Non. Ok. Non, 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 il y a un truc avant de retrouver Zelda. Ouais, c'est ça. Oh. C'est le hall des héros. Prochain passage à Celestbourg, faut vraiment que je regarde pour l'améliorer, lui. Hein. Voilà. Il manque juste une musique épique, hein. Là, ça manque de musique, hein, quand même, pour nous accompagner jusqu'à la porte. Voilà. Ben non. Dame Zelda, vite la porte! Vous avez obtenu la lyre de la déesse, mais ce n'est pas le moment de l'admirer, tu m'étonnes. Dépêchez-vous! Ne la touche pas! Link. Entendu, Link. Je te remercie. Link. Il te faut rencontrer l'ancienne du Temple du Sceau. Elle te montrera la voie. Nous nous reverrons. Oui, Link. Nous nous reverrons. Je le jure. Fort bien joué, Link. J'avais presque oublié de m'occuper de ton cas. Hélas, je n'ai pas une seule seconde à t'accorder. Mais tu ne perds rien pour attendre. Bientôt, je te plonge dans un enfer de douleur où tu brûleras vivant pour l'éternité. Oh, ce regard de déception. Ce regard de déception que Link a eu vers la porte, je fais... Zelda, j'adore. Maître Fay au rapport, je ne ressens plus l'aura de Dame Zelda. Non, tu m'étonnes. Lorsque cette porte a été détruite, la présence de Dame Zelda a complètement disparu. Il n'est plus possible de la détecter. La femme qui accompagnait Dame Zelda vous a dit d'aller voir l'ancienne au vallon du Sceau. Il y a dans ma mémoire une personne correspondant à cette description. Je vous recommande de vous rendre au temple du Sceau. Ouais, mais je pense que c'est le moment idéal pour faire un petit peu d'annexe.
Parce qu'il y a pas mal de quêtes annexes à faire maintenant dans le ciel. Donc c'est peut-être le moment d'en faire quelques-unes. T'as quelque chose à me dire, toi? Quoi? T'es à l'intérieur? Comment? Il y a un passage secret pour s'y rendre? T'aurais dû me le dire! Ah, j'étais sur le point de laisser tomber et de rentrer chez moi, mais j'ai entendu un gros bruit, alors je suis revenu, le passage était dégagé. Je vais pouvoir inspecter ce qu'il y a à l'intérieur, et après, il faudra que je retourne au volant du seau, je suis débordé. Comme il n'y a plus rien à inspecter, puisque la porte est capote. Allez, hop. Alors déjà, on a pas mal de... Je crois qu'on a quelques coffres de la déesse à récupérer. Je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. Alors, la map... Ah, ben il y en a un tout près. Il y en a que deux. Mais il y en a un tout près. Il y en a un qui est tout près. Attendez. Là-bas. Ok, je le vois, donc j'ai plus besoin de ça. Ah merde, il était à l'extérieur. Raté, c'est celui qui était à l'extérieur. Ah, siffle. Alors attendez, où est-ce qu'elle est cette île? Bah merde, ah, ben elle est là. Elle était juste en dessous de moi. C'était quoi ça? Mais arrête de siffler deux fois! Je vais mettre du temps à tomber, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs qui tournent autour de moi. J'avais jamais vu ça dans l'ancien Zelda. Qu'est-ce que c'est? Oh, ils sont trop beaux, c'est super! Ah! Mais c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon! Ça fait de la musique, c'est trop chou. Une médaille de cœur. Alors si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le moi. J'avais jamais vu ça dans l'ancien Zelda en fait. Enfin dans la version Wii en fait. C'est ça que je veux dire quand je parle de l'ancien Zelda. Et c'est trop mignon je trouve. Ça fait de la musique en plus. Alors il y en a un par là. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Zut. Bon, ils sont loin, hein. Mais c'est pas grave. De toute façon, ici, je pense qu'on va faire un peu d'annexe. Cette vidéo aussi, et peut-être la prochaine, parce que j'avoue que je me rappelle plus trop de ce qu'il y a comme annexe. Il y en a une, je sais, puisque maintenant, je peux aller faire les quêtes de la citrouille. Mais il y a sûrement d'autres trucs que je peux faire. On peut peut-être essayer aussi de... Il y a aussi quelques trucs de cristaux de gratitude qu'on peut récupérer. En fait, ils sont vachement loin quand même. On va aller à la citrouille pour les faire tout de suite parce que c'est tout près. Ok. J'avais prévu de le faire à 100% le jeu, je rappelle. Hein. Donc on va faire de l'annexe au bout d'un moment. Te voilà, gamin, tu tombes à pic. J'ai un autre travail pour toi. Tu vas nous aider avec la récolte de citrouilles et que je t'entende pas rouspéter. D'accord. Ça devrait pas te poser problème, blablabla. Alors la citrouille, voilà. Je vais pas lire tout ce qu'il raconte. C'est surtout la troisième requête qui va être un petit peu chiante. Mais bon, j'ai pas encore testé avec cette version-ci. Donc on va voir. Hi. Oh, blablabla, au travail. Donc évidemment, pour ne pas faciliter la tâche, on va devoir y aller avec 5 citrouilles sur la tête. Enfin, dans les bras plutôt. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je sais que déjà sur Wii, c'était pas évident. Ah, ça penche! Ça
C'est une vraie saloperie ce mini-jeu à la con. On se tait, c'est droit. Ah, c'est plus droit, c'est plus droit. Allez, on y est presque, on y est presque. Voilà, du premier coup, putain. Du premier coup, je suis trop forte. Ok. En même temps, j'aurais pas voulu faire ça pendant des heures. Excellent gamin, on a fini la récolte, blablabla. Alors viens voir plus tard. Alors normalement maintenant qu'on a la lyre, en plus on peut faire la troisième quête, mais pour ça il faut venir de nuit. Et pour venir de nuit, bah, il faut dormir sur place parce que on ne peut pas voler de nuit, je rappelle. J'adore leur couverture en citrouille. Les matins ont l'air tellement durs quand ils se jettent dessus comme ça. Ok non, il a pas travaillé pour moi. Ok. Bon alors, sinon, il y a un truc que je peux récupérer quand même. À mon avis, c'est parce qu'on n'a pas encore appris à en jouer, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'on pourra faire la troisième quête après avoir été voir la vieille au vallon du Sceau. Oh, attendez. C'est un bon endroit pour capturer des lucioles en plus. Il y en a souvent entre 2 et 4. Non, reviens! Reviens! T'es eu. Et normalement, là-bas, il y a... Voilà! Ok. Bon, on va remettre le jour et on va aller chercher les cubes de la déesse. Enfin, les coffres de la déesse, c'est plus des cubes, maintenant c'est des coffres. Et puis on verra le temps que ça me prendra d'aller les récupérer vu qu'ils sont un peu loin. Et à mon avis, vidéo prochaine, avant de redescendre, on fera quelques quêtes pour compléter. On fera peut-être sûrement des quêtes de cristaux de gratitude et tout ça. Mais voilà. Parce que là, je suis déjà à quasiment 20 minutes, donc je sais pas trop combien de temps ça va prendre pour aller récupérer ça. Oh, ça va être long. J'aurais bien voulu qu'il y ait un boost sur le chemin, mais il n'y en a pas. Ok, on y arrive. Alors... Ah bah il fallait des bombes, voilà.
Ok. Te voilà, cube de la déesse. 100 rubis. Nickel. Là, par contre, je me rends compte que ma bourse est pleine. J'espère que le coffre de la déesse là-bas n'est pas un coffre de rubis. Parce que ça, par contre, ça me ferait chier. Si c'est un coffre à 300 rubis, ça me ferait chier de le perdre. Mais bon. C'est les risques, hein. Par contre, je vais le dépasser parce qu'il est plus haut que ce que je croyais. Et il tourne. Il est là. Ah! C'est vrai qu'il y a des tornades en plus qui se baladent. Ah! Ah, mais c'est la maison de Terry en fait. Enfin, c'est l'île de Terry là. Ok. Oh, un quart de cœur! Ok, nickel. Bah maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à retourner à Salesbourg. Salesbourg qui est loin aussi. Tout est loin en fait de là où je suis. Je suis à la limite de la map en même temps. Donc. Alors on va aller voir. On va essayer de prendre l'accélérateur qui est là en bas. Ça, c'est du piqué de chez piqué. Hein. Accélérateur juste devant mon nez. Allez, voilà. Ok. Donc je connais certaines quêtes à faire. Je les connais pas toutes, mais j'en connais certaines. Alors déjà, avec la jarre magique, je sais qu'on peut aller faire quelque chose. Alors normalement, c'est ici, je crois. Ouais, c'est là. Voilà, voyez, la maison est dégueulasse. Mais dégueulasse, j'ai dégueulasse. Hein. Même moi qui suis feignante au niveau du ménage, ma maison n'est pas aussi dégueulasse. Bonjour Link, tu vas bien? Il y a quelque chose que j'aimerais te parler, Link. Ma maison est une vraie parcherie. Heureusement que tu le reconnais. Kiko me répète tous les jours que je devrais faire le ménage, mais rien n'y fait, je n'arrive pas à m'y mettre. Ok. Ouais, on va faire le ménage. Il y en a partout, même sur les fenêtres, quoi. Regarde, même ton lit, il est dégueulasse. Me dis pas que tu dors là-dedans, quoi. T'as pas fait le ménage depuis combien de temps, exactement? Parce que là... Je veux dire, même moi qui ai du mal à me mettre au ménage, j'attends pas qu'il fasse dégueulasse à ce point-là pour nettoyer, quoi. Je comprends que Kiko il préfère dormir à l'école. Attendez. Quand je pense qu'il y a des gens qui se plaignaient du fait qu'ils devaient toujours recalibrer leur manette de la Wii, mais sur la Switch, faut le faire aussi quelquefois. Hein. Si tu me dis que tu savais plus quelle couleur était ta baraque, je te crois volontiers. Hein. Ça alors, j'ai oublié la couleur du plancher depuis le temps. Qu'est-ce que je disais? T'as éliminé ma journée, il est temps que tu payes pour tes efforts. Alors déjà, on va recevoir des sous, mais en plus, on va recevoir un... Voilà, un cristaux de gratitude, enfin 5 cristaux de gratitude. Super, ça m'en fait quand même 21. Et en plus, on récupère 20 rubis. Bon, voilà, c'est que ma bourse est pleine, donc on s'en fout. Ok, donc voilà, la maison est quand même beaucoup plus propre, hein, comme ça. Ensuite, je sais que déjà il y a des cristaux gratuits qu'on peut récupérer de nuit aussi, donc ce que je vais faire c'est que je vais dormir chez elle.
Alors par contre, je suis plus très sûre de leur position exacte. Il y en a que je sais, il y en a que je ne sais plus. Et je peux pas tous les récupérer parce qu'il me faut un objet que je n'ai pas encore récupéré. Et maintenant que c'est propre, je peux dormir sans problème. Donc on va faire la chasse à quelques cristaux de gratitude. Dis-moi, je regarde si tu le vois en patrouille. Kiko qui va être furieux s'il apprend que j'ai nettoyé la baraque de sa mère. Alors, alors, je crois qu'il y en a un dans le cimetière de cristaux de gratitude. De cristal de gratitude. Il n'y en avait pas un derrière l'arbre? Ou dans l'arbre? Non. Ok. Je sais qu'en plus on les voit briller hein, techniquement, donc... Oh, il y a encore une luciole là. Ah, je sais où il y en a un. Ici, il y en a un. Voilà. Techniquement, à l'air libre, il doit y en avoir, je crois qu'une dizaine, un truc comme ça. Mais je sais pas où ils sont. J'ai pas souvenir de où ils sont tous. Ça va être le problème. Non. Je sais qu'il y en a un là où mon célestrier a été enfermé au tout début du jeu. Il y en a pas un quelque part sur la... Non. Il y en a pas un là-haut? Je crois qu'il y en a un quelque part là-haut. Non. Ah si. Là honnêtement, j'ai même pas de solution sous les yeux. Là, je suis en pur YOLO. Ne vous inquiétez pas, pure annexe, là, j'aurai des notes. Hein. Mais là, je suis en pur YOLO. Dégage-toi! Dégage-toi! Je crois qu'il y en a un dans ma chambre. Alors, pourquoi dans ma chambre? J'en sais rien, mais je crois qu'il y en a un dans ma chambre. Oh, Kiko! Salut Link, attention à la sauce, c'est dangereux, les zones patrouilles, là-bas. C'est pas admirable, c'est juste normal en face de la... Voir des gens comme ça, c'est un vrai chevalier. En plus, techniquement, si on lui parle de l'argent, il te parle de sa mère, en fait, mais trop tard. Non, il y en a pas un là-dedans. Je crois qu'elle est fermée la nuit, non. Non, même pas, elle est pas fermée la nuit. Non. Ok. Sans mon avis, on approche de 30 minutes, donc je vais pas tarder à m'arrêter. J'aimerais juste récupérer ceux que je suis sûre où ils sont. Donc je sais qu'il y en a un dans ma chambre. Ah merde, c'est vrai qu'elle est fermée celle-là la nuit. Il faut rentrer par au-dessus. Ah oui, il y en a un qui est là en plus. Voilà, hop. Il y en a peut-être un dans la cuisine. Alors ma chambre à moi, ça c'est chiotte. Ma chambre à moi, elle est en bas, je crois, ouais. Chambre de Zelda. Dans la salle de classe, il n'y en a pas. Ma chambre à moi, c'est celle-là, je crois, ouais. Je crois qu'il y en a un dans ma chambre. Ouais. Nickel, on est déjà à 25. Je vais aller voir dans la cuisine. Et puis on ira voir là où il y avait mon célestrier.
Ah, t'es pas couché, toi? Non, dans la cuisine, il n'y en a pas. Ok. Cette porte-là, normalement, elle est fermée. Ouais, parce que c'est celle du rez-de-chaussée. Et donc, on va vite aller... On va vite aller là, à la cascade, là où il y avait mon célestrier. Et je pense qu'après, on s'arrêtera et la prochaine vidéo, je ferai une... Je prendrai des notes pour bien faire correctement tout ça. Y en avait pas une par là? Je sais plus, non. J'ai dit qu'on allait voir là où il y avait mon célestrier. Sinon, je vais encore m'égarer et... On va jamais s'en sortir. Je crois qu'il y en a un ici. Ah, je m'en souvenais de celui-là. Ok, ça c'est bon. J'en aurais déjà récupéré quelques-uns, n'empêche. Hein. Je pourrais peut-être pas même aller voir Maringo pour voir s'il a pas des trucs à m'offrir. Il faudra aussi que j'aille chez Terry pour vider un peu ma bourse. Non! Oh, une griffe. Allez, dépêchons-nous. Voilà. Et je vous laisserai là. Parce que je ne sais plus où sont les derniers. Je sais qu'il y en a que je peux pas récupérer pour l'instant parce que j'ai pas l'objet qu'il faut. Mais voilà. Ok. Allez, je vais me diriger vers le point de sauvegarde et je vais m'arrêter là pour cet épisode. Comme ça, on aura fait un peu d'annexes et je vais sûrement encore en faire un peu au début de la prochaine vidéo. J'aurai sûrement pas de quoi faire toute une vidéo d'annexes, hein, mais au moins, comme ça, on pourra... Ah, mais il y en a encore un là en plus. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi, je vous dis ciao tout le monde!